Bonjour, je me présente, je m'appelle Laurent Soinard, j'ai 13 ans, je suis en 5e A au collège Raymond Queneau à Tessy-Beaucaise. Je vais vous présenter La Tour de Jeanne de Florence Medina, édition Pulp Fiction. En 1887, à la mort de son père, la vie de Jeanne change du tout au tout. Marcel, son frère, part vers l'Est pour se faire embaucher. Sa mère et elle partent vers la capitale, Paris. Jeanne se fait embaucher en tant que domestique par les Beaupuis. Elle fait la rencontre de Rosalie, une autre domestique. Quand elle fait les vitres, elle voit la tour Eiffel. Son rêve est d'y travailler. Jeanne se fait licencier. Elle demande à travailler à la tour Eiffel, mais il refuse car c'est une femme. Elle va prendre une décision qui va bouleverser sa vie encore une fois. J'ai adoré ce livre car il y a du suspense et des réflexions. Je me suis fondue dans le personnage, j'ai vécu son histoire. En clair, j'ai ressenti ses émotions. Pour moi, c'est un livre superbe à ne pas rater. On peut le lire vers le début du collège. Et pour moi, je lui donne une note de 5 sur 5. S'il y a une suite, donnez-la moi tout de suite.